کنفرانس عربی اسلامی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. اسلام علیه بنیادگرایی برای آزادی و صلح و برادری، همبستگی با مجاهدان اشرف و لیبرتی. رمضان 1434، مرداد 1392. L'ennemi juré du régime de Téhéran. Mariam Rajavi tient donc à marquer l'investiture d'Hassan Rouhani, mais à sa manière. Télévision Canal 3 France. افشای چهره واقعی روحانی توسط مقاومت ایران در گردهمایی به مناسبت ماه رمضان. از نظر مریم رجوی، دشمن قسم خورده رژیم تهران، دیکتاتوری مذهبی، کانون بنیادگرایی و یک نظام رفرم ناپذیر است. نمایندگان قریب به 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، از سوریه تا مصر و از فلسطین تا تونس، همه با این نظر موافقند. حسن روحانی که در غرب به عنوان مدره معرفی می شود، چیزی را تغییر نخواهد داد. Dans le même temps, aujourd'hui à Paris, la résistance iranienne se mobilise pour dénoncer le vrai visage de Rouhani, selon elle, loin du modéré qu'il veut afficher. Luc Laguin-Boucher. Elle est l'ennemi juré du régime de Téhéran. Mariam Rajavi tient donc à marquer l'investiture d'Hassan Rouhani, mais à sa manière. La présidente de la résistance iranienne rend hommage aux victimes des dictatures dans les pays musulmans, aux Iraniens évidemment, mais aussi à tous les autres. Notamment à ceux qui sont tombés lors des printemps arabes. Car pour elle, la dictature religieuse iranienne est la matrice de l'intégrisme. Et elle n'est donc pas réformable. La situation en Iran est complètement explosive. Donc si le régime recule, ne serait-ce que d'un seul pas, la population va profiter de cet espace pour se révolter. Et comme la population voue une haine à ce régime, cela va forcément mener à sa chute. Donc le régime ne peut absolument pas changer. À l'occasion du Ramadan, elle a convié des représentants d'une vingtaine de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, de la Syrie à l'Égypte, de la Palestine à la Tunisie. Et tous partagent son avis. Hassan Rouhani, septième président iranien, celui que l'Occident présente comme un modéré, ne changera rien. Le système iranien ne permet pas le changement. Car en Iran, le président est soumis au guide. Sa marge de manœuvre est donc très étroite. Et les Iraniens, à la différence des Égyptiens, n'ont pas conquis leur liberté. Donc la réforme est impossible. Après Rafsanjani et Khatami, présentés en leur temps comme des modérés, voilà Rouhani. Lui aussi est un apparatchik. 34 ans à des postes clés, dans la sécurité comme dans le nucléaire. Il a déjà annoncé que l'Iran ne renoncera pas à la bombe. Et en Syrie, son pays continue à soutenir Bachar el-Assad. Jour après jour, le poids des Iraniens augmente en Syrie, à tel point qu'on se demande si ce ne sont pas eux qui dirigent les opérations de guerre sur le terrain. Dans cette salle de conférence parisienne, personne ne croit à la volonté de changement du nouveau président iranien. Dans la communauté internationale, certains l'espèrent, mais finalement, ce sera pour Rouhani comme pour ses prédécesseurs, seuls ses actes dévoileront ses véritables intentions.